Le réseau américain Electrify America va limiter la charge des voitures électriques à 85%. Ils veulent réduire les encombrements. Alors, ok, bon, pourquoi pas. C'est un projet pilote. Ils vont tester donc cette nouvelle réglementation dans quelques stations. Elle se trouve dans le sud de la Californie, là où les voitures sont extrêmement nombreuses, les voitures électriques. Les stations choisies présentent justement des problèmes d'encombrement. Elles se trouvent également dans des zones où il y a un grand nombre de chargeurs afin de ne pas pénaliser les utilisateurs ayant de faibles autonomies. L'objectif du projet est simple. Réduire les temps d'attente. Vous le savez, quand vous chargez de 90 à 100%, le temps est long. Désormais, dès que l'AVE atteindra 85% de charge, la session se terminera automatiquement. Ils disposeront de 10 minutes pour déplacer la voiture avant que des frais d'immobilisation ne soient facturés. Ce sera impossible de se rebrancher pour charger davantage. Ça ne fonctionnera pas. Très bien. Alors, moi, je trouve qu'il y a 10 minutes de délai, c'est un peu long. Parce qu'en 10 minutes, tu peux reprendre 6 à 7%, quoi. Voire peut-être même un peu plus sur certains véhicules de 90 à 100%. Donc faudrait limiter à 2 minutes ou 3 quoi, pas plus. Hein. Bon, après, ils font comme ils veulent. Hein. Mais je suis plutôt d'accord avec l'idée. Surtout en pleine vacances, en période estivale et tout, où il y aura du monde sur les routes.